téléspectateur, 5 de pique célèbre le photographe Fouad El-Khoury. Né en 1893 à Baabda et décédé en 1983 à Beyrouth, Fouad El-Khoury reçoit une solide éducation avec un diplôme de l'école jésuite. Son père est un haut fonctionnaire de l'Empire ottoman. Dans le cadre de ses fonctions, le gradé réside avec sa famille en hiver à Baabda et en été à Beit Din. Le jeune Fouad s'installe à Paris en 1911. Son but est d'étudier l'architecture. Hélas, il rentre au Liban en 1914 à cause de la déclaration de guerre et à la demande de son père. Le pays est alors encore sous mandat ottoman. Les maîtres de la région cherchent par tous les moyens à imposer le service militaire obligatoire pour sauver leurs propres soldats. Fouad El-Khoury y échappe. Il élit domicile à Fenechebek dans la banlieue de Beyrouth. Il exerce la profession d'ingénieur civil. L'homme réalise également de petits travaux d'architecte. La frise de la résidence des Pins, qui est son œuvre, en témoigne. La grande partie de son opus photographique est réalisée durant cette période. Il rend compte de la réalité de la vie quotidienne de sa famille, ainsi que du développement architectural de la ville. Le clan El-Khoury et la région de Phanes, non loin de Broumana, sont ses thèmes de prédilection. Fouad El-Khoury est proche de sa famille, notamment de son frère Pchara, élu président de la République en 1943. Cinq de pique vous présente une photo dont le titre est « Maison de Fouad El-Khoury à Rechmaïa ». Le cliché positif, noir et blanc, au support papier gélatine à développement, a été réalisé par Fouad El-Khoury. L'image comporte une annotation manuscrite. Elle est signée de la main du petit-fils de l'artiste. La photographie appartient justement à la collection de son descendant, Fouad El-Khoury, cofondateur de la Fondation Arabe pour l'image et artiste photographe. L'œuvre a été gracieusement mise à notre disposition par la Fondation Arabe pour l'image, comme tous les clichés de cet épisode. Au décès de son aïeul, l'ayant droit récupère les clichés pour les confier à l'institution. La maison, antérieure à lui, appartient à la famille. Fouad El-Khoury s'ignore. Appréciez ce lieu, bien qu'il n'y ait jamais vécu. Le rapport à la monumentalité est expliqué par la prise de vue. Elle est à peine contre-plongeante. L'artiste se tient légèrement plus bas. Il oriente son appareil vers le haut. La perspective s'en trouve agrandie. Le hall central, élément caractéristique de la maison libanaise. L'espace d'accueil est muni de fauteuils bas et de tables basses d'appoint. Autour de la grande salle, les pièces d'habitation sont distribuées. Les portes, à droite et gauche au centre de la photographie, se font face et en attestent. Sur la façade, la salle s'ouvre vers l'extérieur par une triple arcade vitrée. Un balcon ou une terrasse prolonge la construction sans que notre œil de spectateur n'en détermine la composition exacte. La salle sert de lieu de rassemblement pour la famille. Le plafond est construit avec des poutres en bois. Les cloisons intérieures sont elles aussi en bois. L'art de l'architecture côtoie ici le savoir-faire de l'artisanat dans un dialogue bien heureux. À travers ce dispositif esthétique, Fouad El-Khoury thématise l'absence dans une mise en scène théâtralisée. Le faste de la demeure souligne l'amour de l'homme pour les structures formelles. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé-Liban consacrée à l'art et à la valeur patrimoniale d'un pays, partie intégrante de son identité.